avec des petits Geoffroy. Pour moi qui t'ai vu faire tes premiers pâtés dans des canards prodigieusement dégueulasses, cette migration fut tout de même une fière occasion de se réjouir. Quelle empoignade, quelle rigolade, quelle arrivée. Pourtant, ils s'en sont donné du mal. Ça, on ne peut pas dire, les bonnes âmes, les journalistes, la gauche, toujours ramassée d'avance, hein. Grand corps à la retourne, révulsé, mais d'abord, combien disparates, en miettes, même Frankenstein à moins de couture, vouée à l'infiniment petit qu'elle est, sécable, pulvérisable, aérosolée, plus rien qui tienne. On s'en tape les cuisses. Hein. La baïa a suffi à la fendre en mille. On sera sur Mars avant de la revoir au pouvoir, c'est sûr. Et encore, sera-t-on assez humain, assez longtemps? La planète râle et les mutations vont vite. Sait-on jamais? Tout se peut. Mais l'important, je vais te le dire, pour revenir à notre affaire, c'est le précédent. J'ai vécu, moi, en Amérique et même en Angleterre. Mes parents m'y envoyaient puceaux pour apprendre la langue. Des pays d'affairés qui s'organisent très vite et sur le tas. Rien de commun avec nos lubies latines théoriques, notre passion de généralité. La loi, là-bas, c'est d'abord la jurisprudence, le cas par cas. Les solutions qu'on peut à chaque fois qu'on en trouve. C'est original comme tendance, surtout pour nos esprits divagants. J'en ai retiré ceci que le précédent est tout, qu'on ne revient pas sur ce cran d'arrêt, et ton patron, le Breton enrichi à l'OCB, on en fume les gamins de 3 feuilles et davantage, il sait y faire, hein. Regarde-le, comme il a mijoté son trust. Télé, journaux, éditeur. Il a le tir en éventail. Il a procédé comme à la chasse au canard. Coup d'œil, amplitude, balistique, vitesse, pan. Aucune vergogne. Surtout pas. Et pourquoi faire d'abord? Au début, moi qui viens d'avant, moi qui ai vécu sous des règnes qui tout de même, à défaut de scrupules, avait approximativement des limites, je me suis dit qu'il n'arriverait pas, que le corps allait se cabrer, et la nation, sa crème au moins, rejeter ses effrénées tentatives. Penses-tu? Rien du tout. Des rédactions foutues à la rue, des commissions subjuguées, l'Europe dans les choux, le président même qui balbutie, Pascal Pro, philosophe, et Hanouna. Hanouna. Parfait maton dans les couloirs. Que de grimaces. Carnaval majeur. Plus pareil, Toriboy depuis Dresde au moins. Et les grèves alors, zéro pointé. Ton Breton s'en contreprend. Il ne connaît que son rythme, sa manière. La hussarde, sabre au clair et pas de quartier. Pour l'armement, il fait simple le bougre. Du pognon, du pognon, du pognon. Et surtout pas de se manier. Pourquoi faire quand on peut tout acheter? Mais principalement, ce qui importe et qu'il faut voir à la loupe exactement, c'est que partout qu'il est passé, il a su imposer des médiocrités inédites, des malfaisance sans exemple, des mensonges à faire pâlir les mystagogues, des usages révoltants qui n'ont rien révolté, des révolutions d'enfer qui très vite sont devenues le cours habituel des choses. C'est là-dessus qu'on n'insistera jamais assez. Chaque coup de force avec lui fait précédent, cran d'arrêt, cliquer, buter net. Une fois le mal accompli, on n'y revient plus. Il ira comme ça jusqu'à Pyongyang,
Le charivari des ex-cagneux, nouveaux songeurs et autres balambos courisés n'y changera rien. Pas d'indif. Tu penses, ils s'en fous. La croisade, d'abord, voilà ce qui devrait t'émerveiller, Geoffroy. Toi, les lucidités, vos noces bizarres, ça n'est jamais qu'une aventure de plus dans l'histoire de cette phénoménale poussée, un autre jalon, une avancée originale dans le retour en arrière. Le progrès est trop loin rendu aux yeux de ton milliardaire et ils sont nombreux comme lui en avoir soupé des leçons de morale, des embêtements légaux, des retards démocratiques. Les meilleures volontés s'esquintent à force de devoir toujours composer. Geoffroy, tiens bien ta place. Confonds tout bien selon ton habitude. Qu'on ne distingue plus les pauvres des salauds, les étrangers des bandits, le fascisme de la prophylaxie. À la fin, tu verras, il aura son empire de muselé. On y fera des affaires sans souci des incommodants. Hardi à la corbeille, les actions en flèche, comme des cathédrales. Le bon temps que... Voilà. On s'en foutra plein les coffres. Et plus personne pour gémir et gâter le plaisir des gens à succès. Et des entreprises bien profitables au prétexte que les algues ceci, le smic cela, l'été trop chaud, les miséreux trop misérables et va savoir encore quelle autre invention à vous faire passer le coup des trilliards. Tiens bien ton manche, mon Geoffroy. Peut-être que tu finiras comme ça, secrétaire d'État, ou même pire. De drôles de temps grondent à nos marches. Tu feras claquer tes bottes avant longtemps. L'avenir n'est pas écologique, Geoffroy, surtout pas républicain. Il ne sera ni plus démocratique, ni moins vertical. Pas plus tibétain que mahométan. Là-dessus, tout le monde se court. Ou se sédate. L'avenir sera comme toujours profitable et au petit nombre, selon les règles de la bonne éducation. Le reste, foutre. Des gaz, des lubies, des intermittences. À moins que, bien entendu, car il se trouve toujours dans un pays, dans ses bistrots, dans ses bureaux, ses théâtres, dans ses squares, ses sous-sols, ses entrepôts, quelques poignées d'empêcheurs. La France est du côté de la poigne, en surface seulement. Dans ses tréfonds, elle est de la fronde, et pas qu'un peu. Dans ce pays, c'est bien plutôt Cartouche que Fantomas qui nous enchante. À cela, les incurables, les arc-boutés, si j'étais moins jeune et plus jeune, pardon, et moins compromis, si j'avais moi aussi des ambitions recommandables, de gauche, tiens, par exemple, je dirais, fomenter, œuvrer, où la bête n'a rien à gagner, faites-la tourner en bourrique, visez, c'est ridicule. Moquez-vous partout de son invraisemblable larpina. Tourmentez celle à quai. Mordez sa main dès qu'elle vous a nourri. Machinez sans trêve à son abaissement. N'ayez de respect que pour ce qui lui nuit. Ouvrez grand votre gueule. Soyez corsaire jusque dans les moelles. L'adversaire se trouve si bas, si lent, si lourd. Je leur dirai, moi. Tu m'entends? Vous êtes en vérité le plus grand nombre. Ne redoutez rien. Tout